commencer par m'appeler. Il m'appelait souvent le soir très tard, là, vers les 10h, 10h30, quand tout le temps, quand je sortais de la douche, ça sonnait, puis il parlait. Moi, je le connaissais pas, il faisait comme s'il me connaissait, moi, j'avais aucune idée, c'était qui, ce monsieur-là. Il avait une voix sympathique, mais il disait des choses qui faisaient un peu bizarre. Parce qu'on dirait qu'il savait que je sortais de la douche, puis après, ben, il a commencé à sonner à la porte. Là, j'allais ouvrir, puis il n'y avait personne. Je ne savais pas c'était lui, mais j'avais des doutes, tu sais. Parce que, il faut dire, ça tout le temps encore à 10h, 10h30, quand je sortais de la douche. Puis là, il sonnait à la porte, puis il y avait un message, le sol à terre. J'avais peur, je ne l'ai pas de prendre. Puis c'était des beaux messages, des poèmes. Mais ça fait peur quand même. Puis un jour, j'ai ouvert la porte, puis ben, il était là, en face de moi. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit...